Aujourd'hui, on se retrouve sur GTA V pour terminer les missions de préparation de l'acte 3. C'est parti. Let's go, my friends. Que vais que je prendre? Ah, lui. On y va. Là, on va essayer de faire la mission du Chernobob. Et facile, après il faut que je tombe sur des bonnes personnes et pas sur les mauvaises comme l'autre fois où j'ai pas pu vous sortir la vidéo vu que plusieurs fois j'ai pas réussi. Et ça faisait déjà 1 heure, une vidéo très très longue et très compliquée à couper, donc j'ai préféré la refaire. L'autre fois j'étais tellement désespéré qu'après je me faisais tuer. Je mourrais. Bon, je vous laisse. Moi, je vais écouter de la musique pendant ce temps-là. Boss, your executive assistant here. These are exciting times for the company, if you want to expand. Securo serves updated with an opportunity to source and resell high value vehicles, and some garage space in the buildings become available on Dynasty 8. Stop by the office soon and I'll show you. Oh, c'est bien.
Bon. On va commencer la mission. Je vais aller assez vite. C'était mieux pour vous que je le coupe. J'ai envoyé un message à l'autre là. Mission. Acte 3. Ok. Bon, je vais me demander de faire ça. Voilà. Et je me casse du truc parce que voilà. Ouais, je voudrais bien quitter, mais je peux plus quitter. Super. Ok. Bon, on va essayer quand même. Ah ouais. Moi, je vous laisse le temps que la mission se termine. Je suis en train dans ce truc là. Donc, on a fait ce putain.
Oula. Oh là, je pourrais faire l'acte 3, on va commencer. Il y avait des gens qui étaient venus m'attaquer. Avec ça. C'était parce que je vais quitter le truc. Allez, les gommes. On y va. L'acte 3 va commencer. Une mission de préparation, plutôt. Allez, let's go. Ok, comment il bouge mon personnage? On y va. Comment dire? Là, j'espère qu'on va réussir. C'est juste à côté. Je dois pas aller loin. Non, moi, j'espère que je vais réussir. Mais le problème, c'est que je demande à une personne de venir m'aider parce que j'en ai marre de faire avec des gens et ça va pas fonctionner. Donc, j'espère qu'on va réussir. Et pour vous dire une information, j'ai acheté un bureau. Hein. Il était gratuit, sauf la modification, elles sont payantes, mais ouais, mais la plupart non. Donc, on va faire. Escorte ULP. C'est une mission de préparation. Normalement très simple, très abordable. Après, ça dépend avec qui tu joues. Hein. C'est le plus important. C'est quoi cette mission? Non, pas de musique comme ça, c'est pas bien. Non, non, non. Moi, bon, je le mets normal, voilà. C'est important. Voilà, joueur de mon niveau. Terné. Voilà. Ok. Pour pas qu'ils m'entendent, je vais mettre partie audio. Voilà, normalement on n'entend plus. Ouais, là on m'entend plus. Bien entendu, je vais monter le son parce que le son il est pas très élevé. Ouais. Voilà. C'est bon, il y a une personne qui rejoint. Il y a un niveau très élevé, donc normalement c'est bon. Je dis normalement. Le niveau ça veut rien dire. C'est juste que t'as fait plusieurs missions. Et si tu les rates ou pas, tu gagnes quand même de l'XP. Voilà. Et ça qui. Pourquoi R-truc? C'est bizarre ça. Ah mais je pense de le faire à deux là. J'allais le faire en plusieurs. Après c'est la personne qui rejoint. Ben voilà, je fais autrement. J'attends un petit peu. C'est bon, on lance. Bon, je vous ai dit plein d'informations, donc cette scène-là va pas être coupée. C'est voilà, je préfère parler de ces moments-là. Voilà. Bon, on va commencer. Comme ça. Akachu, non, cours-moi blindé, ça c'est mieux. Voilà. Pas mis de protection donc après je vois pas la différence entre ça et ça dans tous les cas tu te fais tirer dessus t'es blessé quand même donc blindage il va rien dire dans ce jeu là et c'est bah, c'est normal sinon t'as juste à mettre ça et tu perds jamais et comme une partie pareille. Le truc qui est bizarre, c'est que quand t'as de protection, voilà. Oui, je sais, j'ai 500 trucs parce que j'ai payé quelque chose, c'est pour ça que. Et en plus, j'ai payé 250 hein, pour changer un nom. Ok.
J'aurais bien payé ce truc là, mais il coûte 3000 ans. C'est un bon véhicule. Voilà, d'aller. Voilà, on est mort, n'est-ce pas? Le skin est bloqué là-bas. Bon, bah, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave, on recommence. Hein. Alors, cette fois, je crains pas. Ah, j'avoue, c'est moi le problème. Ah, il y a plein de trucs, c'est pas très bon. Mais... Ouais, je sais, ça vous a pété les oreilles, mais voilà. Là, on va commencer. Là, on est dans un endroit mieux, plus sécurisé. Je vais essayer de lui montrer de quel endroit on peut. Ça capte ton lance-roquette. Et tu tires, tu tires, tu tires. Tu es le maximum de personnes et... Lance-grenade, tu fais ça. Lance-missile, comme ça. Voilà, je vais ici. Là, c'est plus simple. Tu fais pas tirer dessus, déjà. Non, tu peux te faire tirer dessus, mais moins. Voilà. C'est plus simple ça. On pourra peut-être faire le barrage avec lui. Il joue très bien. Et en plus c'est un bon véhicule. Bon, on a fait en 5 minutes. C'est qui lui, c'est... La Norvège. Et avec ses grâce au véhicule, et en plus, c'est pas qu'au grâce au véhicule, c'est qu'il a une bonne technique. Tout simple.
Oh, ça 600 mètres. Calme-toi, Lester, t'as pas besoin de penser qu'à l'argent, c'est pas ça qui fait le bonheur. Pas pour faire une morale, une vérité générale, non. Descends. Vous croyez pas? Jean est parti. Lui, il était dehors là, un endroit. Bon, déjà, pourquoi t'es descendu ici? Bon, il y en a deux qui sont morts. Ils sont pas tenus, il n'y en a qu'un agent qui a tenu. Problème à deux, c'est chaud. C'est vraiment chaud à deux. Bon, bah, t'es l'autre fois, quand j'étais avec un autre, il faisait rien. Mais... On le plus vite! Il rentre plus vite ce véhicule là. Non, ça fout deux. Il est déjà bien blessé, hein. Voilà. Ils en auraient dû trop. Ouais. Oh, le plus vite, tu peux rouler plus vite, normalement. J'ai pas envie qu'on rate, on a encore de la route à faire. Regarde, déjà, ça parle presque à moitié. Attends. N'importe, mais t'es idiot quoi? Oh non! Il est en train de lui tirer dessus et... Il devait la retirer dessus normalement. Déjà, c'est à chaque fois que j'essaie d'avoir trois personnes, il n'y en a pas trop. Arrête-toi, ils sont derrière. Faut t'arrêter, ça part à la moitié. Attention, attention. Au bout d'un moment, il va exploser le véhicule.
pas blindé blindé hein. Ça va, mais tire maintenant parce que là il s'est arrêté. Il s'est arrêté pour Ça a rien mais... plus l'argent est le payer un petit peu sécurisé un truc comme... c'est pas là t'es en train de perdre ton temps en fait c'est là bas normalement qu'il est allé. C'est pour dire qu'il va prendre à peu près cette route là et je le sais très bien. Plus faire des allers-retours ça fait perdre du temps en fait. Il a pas remarqué que il perd son temps en fait. Alors qu'on pourrait rouler vite. Mais on part notre temps, c'est la route elle est plus rapide normalement. Ah, j'étais en train de m'étrangler. Arrête-toi parce que il commence à avoir des avions. Ah je peux pas où il s'attend. Et l'agent LP il est en haut. En même temps, c'était
c'était vraiment énorme. Désolé pour le bruit, mes écouteurs étaient tombés. On va partir de là et c'est bon, il n'y a plus personne à partir de ça. Arrête-toi de là, je peux tirer. Explosé, j'ai fait, il s'est pris un coup de d'arbre. Oh là là, ça a dû faire mal à peu près là normalement. Voilà, on a réussi. Bah, les conduits, c'est normal. Bien joué. Pareil, je vais devoir envoyer une demande. C'est celui de la saison. Il joue très très bien. Il conduit très bien. La grande des fois. Voilà, il montait sur la montagne, mais c'était pas bête. Comment on pouvait tirer? Et les buggy, ça sert à rien. Si tu sais pas l'utiliser, plus ça que le buggy faisait quoi? Il attendait devant les personnes. Au lieu de. Oui, normalement, le buggy, c'est pour foncer sur les gens. En plus, tu peux te faire tuer facilement si tu t'attends. Le buggy, c'est pas pour attendre, c'est pour foncer. C'est ça son point fort. Le seul point négatif, c'est qu'il n'y a pas de fenêtre, pas de vitre, c'est juste ouvert et voilà, mais c'est très bien comme véhicule. Bon, on va faire un barrage avec lui, si tu veux bien. T'es une fille ou t'es un garçon? Bon, il y a un petit bug, je vous en ai pas dire. Ça a bien quitté. Il y a un petit problème. Ouais, c'était tout. Et on y va. Voilà. Ah,
Ça va, on n'est pas très loin en plus. Voilà. Voilà. Oh là là. Oula, je me suis pris de ces coups. Un coup violent. Voilà. Ouais, mais moi j'ai envie de faire une mission avec moi. Barrage. C'est une mission très simple et normalement, mais. Oh, c'est qu'il y a des gens, des fois ils sont nuls. Ouais. Bon, les nuls, même j'ai. Voilà, ça c'est mieux. J'espère qu'il va prendre son véhicule rapide. C'est plus simple. Je vais prendre ça, un petit changement, c'est beau. Ah, je dis pas, ouais. C'est cher quand même, hein. Si t'as envie de le payer. Ah, c'est vraiment long. Compliqué. Parce que tu perds beaucoup, en plus c'est vraiment énormément cher, tu payes pas 130 000 pour un vêtement. 130 000, tu peux t'acheter une voiture. Tu peux t'acheter plus qu'une... comment ça s'appelle? Que la Toyota CHR, franchement, ouais, non, RAV4, nouveau 50 000, je peux en payer deux, plus un petit véhicule,
Juste un véhicule dans la 30 000. Ah ouais, mais il fait 30 ça. C'était un garçon, c'était pas une fille. Bon, ça c'est qu'il y avait des colons. Ça, je sais pas. Ouais, là là, heureusement qu'ils ont laissé de la terre ici. Ah, mais c'est dangereux ce véhicule. S'il peut aller très très haut. Ouais, ça peut être une idée de monter comme ça. Mais prends pas ton boost, hein. Prends ton boost, tu. Toi. Ce chien. Eh. Mais non. Ah non. Ah non. Non, là, là j'aime pas là. J'aime pas du tout quand ça se passe comme ça. Bon, on va recommencer l'Afrique. Bon, je vous laisse pour cette première partie de vidéo. Terminator, je vous dis à bientôt, peace les gens, et à tout à l'heure aussi.